Salut le passionné du manche, je m'appelle Laurent Kremer, sois le bienvenu sur la chaîne. Si tu n'as jamais mis les pieds ici, sache qu'il existe un espace gratuit dans lequel tu trouveras bon nombre de tutos et de tablatures. Et comme le nom l'indique, c'est gratuit, le lien se trouve dans la description. Aujourd'hui, on va aborder la musique d'une publicité qui m'a fait rêver lorsque j'étais petit et qui me plaît encore beaucoup aujourd'hui. Je veux parler de la pub Ricoré. Alors ça faisait « Le soleil vient de se lever ». C'était vraiment plein de bonne humeur, j'adore ça. Le groupe en question, c'était Pacific Orchestra qui avait écrit ce superbe titre. Il y a vraiment de superbes arrangements. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une musique de pub. Alors si tu veux bien, tu peux mettre un commentaire pour me dire si tu souhaites avoir d'autres musiques de pub qui sont faites, bien sûr, et me dire lesquelles, et à ce moment-là, je regarderai ce que je peux faire. C'est un exercice qui me plaît assez bien. Voilà, bon, allez, c'est parti pour la démo, assez de blabla. Le soleil vient de se lever. Et c'est parti pour les explications. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va faire le tour des accords. Donc on est en tonalité de mi majeur. Et donc là, il suffit de prendre un mi majeur. Je te conseille de le prendre en deuxième position. C'est-à-dire que normalement, on a le mi comme ceci, index majeur annulaire. Là, je te conseille de prendre majeur annulaire auriculaire et je vais t'expliquer pourquoi. Alors bien sûr, tu vas trouver dans ton espace gratuit la grille d'accords avec tous les accords là que je vais te jouer. Donc il n'y a pas de souci, tu trouveras ça, c'est dans l'espace gratuit. Le lien se trouve dans la description. Et donc, comme le nom l'indique, c'est gratuit. N'hésite pas, il y a vraiment plein d'autres ressources. Donc profite-en. Donc mi majeur, le soleil vient de se lever. Ensuite, on a Fa dièse 7. Et pour cet accord-là, on va vraiment avoir plusieurs possibilités pour arriver à ses fins. Donc là, moi, je fais simplement, j'ai le mi majeur, je l'avance donc jusqu'au Fa dièse, donc je l'avance de deux cases, ok. Je prends le pouce pour prendre le Fa dièse, et je vais mettre l'index ici à la deuxième case sur le Do dièse, en laissant la mi, la chanterelle, à vide. Alors bien sûr, tu as la grille d'accord. Et ça me donne ça, Fa dièse. Et ici, j'ai la septième. Donc ça me fait « Le soleil vient de se lever. » Un accord qui sonne très bien, et puis qui est somme toute pas si compliqué à faire que ça. Une autre possibilité, c'est de faire le Fa dièse comme ceci. Donc ça, c'est une position qu'utilisent beaucoup les jazzeux. Hein. Ça, c'est, ils font toujours des accords un peu comme ça. Et ils évitent les barrés, tout simplement. Et donc là, pour le faire, pareil, ben, si tu prends un Ré ici en deuxième position, alors tu connais la première position du Ré, hein, index annulaire majeur, là je vais le prendre majeur auriculaire annulaire, deuxième position, et j'ai juste à le monter d'une corde, tu vois, tac, je monte d'une corde, et je prends le Fa dièse, soit avec le pouce, soit avec l'index. Et j'ai à nouveau un Fa dièse 7. Alors l'autre possibilité aussi, c'est de prendre un Fa dièse 7 comme ceci, hein. Donc là c'est comme si tu faisais un Fa, hein, Fa majeur, on avance d'une case, Fa dièse, et on soulève le petit doigt, et on a la septième qui jouait, la septième mineure, donc Fa dièse 7. Donc je reprends. Moi je préfère cette position-là, hein, mais ça reste une affaire de goût. Donc, le soleil vient, Fa dièse 7, on va faire un La majeur, La mineur, Mi majeur. Et ensuite, on va reprendre le La majeur, La mineur, Mi majeur, Do dièse mineur. Donc on peut faire aussi comme ça pour éviter le barré. On aurait demi, c'est-à-dire avec la chanterelle à vide, hein, on fait notre Do dièse mineur en barré, mais on soulève le doigt, tout simplement, hein, l'index. Je te montre ça sur le côté, tu vois, il y a l'index qui est soulevé. Et on a la corde demi à vide. Hein. Et ensuite, on a le Fa dièse 7 à nouveau. Comme ça, ou alors comme ça, ou comme ça, hein, comme tu veux. La majeur. Si, sus 2. Donc là, tu connais cet accord-là. Hein. Alors, réfère-toi toujours au système cage. Hein. C'est vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de faire ça. Donc, La majeur, on avance de deux cases. Si majeur. Et on lève le petit doigt.
Et donc là, en l'occurrence, plutôt que de le faire comme ça, moi, je préfère le prendre avec l'annulaire et l'auriculaire. Et donc, j'ai la note de do dièse qui est là. Et je reprends le mi. Avec plus de voix. Fa dièse 7. À nouveau, la majeure. Et là, ici, j'ai un do 6. Donc, do 6, c'est simplement un la mineur avec le do à la basse. Position, quoi. Et j'arrive sur le mi majeur. Alors ça, c'est pour la base des accords. Tout ça, tu le trouveras dans l'espace gratuit. Maintenant, je vais te proposer rapidement une version qui est pour les intermédiaires plus facile que la démo que j'ai faite. Et ça, tu trouveras ça dans l'espace premium. Et d'ailleurs, la démo, tu la trouveras dans l'espace premium aussi. Ou bien sûr, dans l'espace VIP. Allez, c'est parti pour cette petite démo. Le soleil vient de se lever. Voilà, et tu trouveras ça dans l'espace premium. En attendant, il me reste à te dire que l'important, c'est pas la note, mais l'émotion qu'elle dégage. Salut le passionné du manche.